Évangile éternel. Conservation et partage de l'évangile éternel. Vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. This week, cette semaine, don't miss. Ne manquez pas. Lelo na ye na mutu na Zambi. Amen. Musala awa nakini. Yes. Onde bazaba papa ya evangile. Batata ya evangile. Limisa lingana nanga. Iza hotengaro. Ezoyo kana. Ezoyo kangobi. Hmm. These are fathers of the gospel. Ba oye bazaba tata ya evangile. He's a doctor. He is a doctor. He doesn't live in Kinshasa. A vivra kawa na Kinshasa. Yeah. He lives abroad. Azana mboka papa ya tone rob. His name is Doctor. Kombo na ye Doctor. Doctor of the word. Doctor de la parole. Doctor Kalo. Doctor Kalo. Kabunda. Kabunda. Église de Saint. Saint de. Église de Saint. Ezan bongo. De Saint. Église de Saint. Nas Angleterre. Église de Saint au Congo. Papa. Amen. Amen. This is a very powerful ministry in Congo. Oh, yes, un grand ministère au Congo. And he's one of the founders. He has a moko yaba fondateur. Churches all over Congo. L'église à travers tout le Congo. He's a renowned international preacher. Aza de renommée internationale. A father of many children. Un prédicateur qui a beaucoup d'enfants. Spirituals. Un qui a des enfants spirituels. Yes. He has, you know, discipled many pastors. Aza na ba disciple baza ba pasteur rebelle. Produced many pastors. Abota ba pasteur rebelle. Planted churches uncountable. Si achape beglise ba eza innombrable. He is an apostle in our generation. C'est un apôtre dans notre génération. When I heard of him, tango na yoka kiye, I also wanted to profit the grace that is upon him. Napenda linga kina profite grâce oeza li kolona ye. Like you receive me, ndenge boya makangai, I want you to receive. Na ligi bino pepo yaba, Doctor. Doctor. Kalo. Kalo. Kabunda. Kabunda. With a clap offering. Na kopeta maboko makasi offering. As you stand on your feet. Tango zo tele malikolo tele mesiko zali yaba. Let us give him a well of one. Est-ce que vous comprenez cela? C'est à cause de cela que nous devons chercher à toucher et comprendre. Est-ce que mes yeux m'empêchent de voir Jésus? Ou mes yeux en aucun cas ne peut m'empêcher. L'Apocalypse veut dire la révélation. Qui dit la révélation? Comme je l'ai dit hier, veut dire les choses cachées. Amen. Makambo et bombama veut dire le mystère. Elgi koloba mabombani. Alors quand on dit tango bongo balobi que Jean était Yohann, Jean Yohann le prophète Jean Mosakoli Yohann a reçu un ange. Azwaka angelo ayekotala. Aujourd'hui, je vais décortiquer un peu toutes ces choses là.
Jean reçoit un ange. Yohane Angelou a écoutalaï. Mais je me suis toujours dit. Tant qu'on y est, on a mis le bilaka. Pourquoi seulement un ange? Ponanini kaka Angelou. Parce que l'Apocalypse est telle qu'on a vu hier. Pointe mon canon et moni selindenge tout mona kango lobi. C'est un livre codé. Eza mon canon ya malobe bomba ma bomba ma. Très codé. Ba kanga kanga maloba. L'intelligence de ce monde. Maere amokili oyo. En aucun cas peut sonder l'Apocalypse. Amen. Atana mukolo moko te. Eko koyeba mayele bomba ma na kete maloba. Beaucoup de prédicateurs. Ba te ebele. Ne peuvent pas oser toucher. Ba koki komekata te kosima. Parce que bonani, ça demande un esprit supérieur. L'esprit supérieur qui était sur Daniel. Nous allons comprendre que l'Apocalypse c'est un songe. Mokandene moni seleza ndoto ya moto asali. Je reprends encore. Ce que je prêche ici. On a hôtel. Pour aimer ça. Pour na kolinga yango. Et ne pas dormir. Pe kolala te. Il faut être. Et singali kozala. Celui que Dieu a appelé. Amen. Oyonzamba benga. Et qui attend l'enlèvement. Pe oyazali kozela linetwa. Mais celui qui est venu ici. Kasi oya yawa. Pour vivre les miracles. Pour avoir une femme. Pour avoir une femme. Avoir les enfants. Avoir l'argent. C'est bien. Mais il s'arrête que là. Comme on a vu hier. Celui-là, Dieu ne l'a pas appelé. Mais pour aimer ce que nous prêchons. Il faut commencer premièrement à aimer la parole. L'Apocalypse c'est un songe. Un songe. L'Apocalypse. C'est l'énigme. Et sali lisese. L'énigme. Et sali lisese to symbole. Est-ce que vous me suivez très bien? Bolaninga malam. C'est pourquoi. Yangotina. Écoutez bien. Yoka malam. Soyez très attentifs. Comme je vous ai dit hier, je suis très très ravi et très content. J'ai rendu témoignage partout où je suis parti. J'ai dit bénissez votre apôtre. Parce que il a compris que non, mon peuple doit connaître les choses qui arriveront bientôt. Amen. Il est allé chercher à manger pour vous. Il est allé chercher l'évangile. Tu n'as ni commencement ni fin. L'évangile qui a ni commencement ni fin. L'évangile Alpha et l'Oméga. L'évangile qui est éternel. Tu sais pourquoi on dit éternel? C'est-à-dire un évangile qui n'a pas connu la corruption. Qui est prêché tel que Jésus-Christ avait laissé cela. Amen. Vous êtes de Dieu. Parce que Dieu a fait grâce. Zamba sali ngolu. Et que cet évangile vous arrive. Amen. Betele maboko makasi pour être sangwe comme liyo. Je continue. Nakobi. Parce que. Poète. Quand vous lisez dans la Bible. Tango bozo tanga na kata Biblia. C'est qu'est-ce que. Qu'est-ce que l'Apocalypse? Nini ango mokanda ya imoniseli. La Bible dit. Biblia lobi. La gloire de Dieu. Kembo nanzambe. La gloire de Dieu. Kembo nanzambe. Je vois les gens. Namona kabatu. Crier. Bakoganga. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. Il n'a rien dit. Wana soa gagi bongo alobi le côté. Mais il crie la gloire. Kasazonga kembo. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo.
Mais que dit la Bible à propos de la gloire? Ah, kasi na likambo etali nkembo. La Bible dit, Biblia lobinin, la gloire de Dieu. Biblia lobin kembo na sambe. C'est de cacher les choses. Ezali nde kobomba makambo. Est-ce que vous connaissez ce verset là? Boyebi molonga Biblia wana? La gloire de Dieu. Kembo na nsambe. C'est-à-dire quand Dieu cache les choses. Ngi koloba tangu nsamba bomba ka makambo. C'est dans le cachet de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et salina ko bomba kama kambo ya nzambe ne kembo na nzambe emoni samaka la gloire de Dieu kembo na nzambe ce n'est pas la chair de poule et salite koyoka e konkoi lobiongo na nzoto vous êtes ozoka lobiongo e konkoi c'est la gloire de Dieu qui m'a touché ne lokana ki lobiongo c'est la gloire de Dieu la gloire de Dieu kembo na nzambe la Bible dit Bible lobi la gloire de Dieu Kembo na nzambe c'est de cacher les choses. Amen. Izande ko bomba makambo. Quand Dieu se cache, tangu nzamba mi bombaka. Quand Dieu cache les choses, tangu nzamba bombaka makambo. C'est pour manifester sa gloire. Amen. Ezali pweta monisa kembo na ye. Yes. Est-ce que vous me suivez très bien? Mozala nanga malam. Si il y a pas de choses cachées, soki ezana makambo e bomba mate. Dieu ne peut en aucun cas manifester sa gloire. Amen. Nzamba kokata mukolomo te komuni sankembo ne pole. C'est comme dans ta maison vous dormez avec un sorcier. Ezalo kola, nanda kuno olali na ndoke longo. Tu as fait des jours et des jours avec les sorciers. Osali mikolo nanda kuno na ndoki. Tu lui donnes l'argent. Opesa ka mbongo. Il mange ton argent. Ali ka mbongo na. Tu l'habilles. Et tu fais tout pour lui. Osala peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est les enfants. Tangu musweza mobali na yo, mwasi na yo, bana na yo. Tu fais les dépenses pour eux. Ozobi misambongo, ozola iso, ozola tisa bango. Vous savez qu'un sorcier n'a jamais eu pitié. Parce que si un sorcier a ses pitiés là, il reçoit le don de pardonner. Or Satan n'a pas appris comment pardonner. Satan n'a pas reçu l'enseignement du pardon. Tu peux avoir un sorcier. Dieu te laisse dormir avec un sorcier. Sans que tu le connaisses. Il attaque tes affaires. Il attaque ta santé. Il attaque tes enfants. Il attaque ta prospérité. Mais toi, une sœur en Christ. Sœur en Christ. Tu donnes, tu offres à Dieu ton temps. Quand les hommes de Dieu prêchent, tu donnes l'argent. Les dîmes, tu donnes. Tu sèmes. Parce que s'aimer, c'est avoir le bonheur. Le secret d'avoir le bonheur ici sur cette terre, c'est savoir manger avec Dieu. Amen. C'est lui qui ne mange jamais avec Dieu. Ouais, il y a même si on prie pour lui comment? Il faut d'abord qu'on prie pour lui pour que Satan Satan le laisse. Écoutez bien, frère. Je peux dormir avec un sorcier. Je ne suis pas au courant qu'il l'est. Mes collègues de service, je ne suis pas au courant de ce qu'ils sont. Je ferme cœur. Le jour où tu sauras, ne t'inquiète pas pourquoi tu n'étais pas au courant. Tu es laissé ça pour manifester sa gloire. Amen. Afin que tu saches que si Dieu ne veille pas sur moi, moi-même jamais je peux veiller sur moi-même. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est pour vous dire ceci. Si la gloire de Dieu et de cacher les choses, comment Dieu procède pour cacher les choses? Si konzamba sala kalolenge kani pona kobomba makambo. Si Jésus soki Yesu n'était pas caché, abomba makate. Si il n'était pas caché, soki abomba makate,
on ne pouvait pas voir toute cette puissance-là. Dieu se cache toujours pour manifester sa gloire. Amen. Maintenant, écoutez. Je reprends un verset. Jésus-Christ. Écoutez bien. Le Jésus que vous prêchez, vous criez. Que vous adorez. Ma soeur bien-aimée. Je veux que Jésus-Christ ouvre tes yeux ce soir. Afin que ce que tu manquais, il te le donne ce soir. Amen. Yes. Yes. Ce qui m'a étonné, c'est quand un homme dit dans la Bible, quand il présente Jésus, mais ça m'a étonné. Parce que cet homme-là dit, il est le mystère caché. Asalibi bombani oye bombani de tous les âges. Yabile konyonso. Paul, quand il présente Jésus, Paolo tango azola kisabatu Yesu nenani, il dit Jésus, alobi Yesu, c'est un mystère. Asalibi bombani caché oye bombani dans tous les âges. Nabile konyonso. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset-là? Nazo tuna lisanga. Bosi botanga molonga Biblia wana? Pas encore. Nanu botanga yangote. Qui a déjà lu? Qui peut me donner ce verset-là? Nana satanga molongo wana ayebisanga yango. Je vais vous faire lire le verset. Siko na lingena mona bino boyebi molongo. Parce qu'on nous dit, Poba lobaka na biso, dans tous les âges, Nabile konyus, Jésus était caché. Yesu azalaki akobomba. Ce qui veut dire, à l'époque d'Abraham, Jésus était là. Ce qui m'étonnerait encore, à l'époque avant Abraham, l'âge qui a précédé Abraham, donc à l'époque d'Enoch, Jésus était déjà. Oh. La Bible est compliquée. Biblia ezali mubulu mubulu. Mais le bon est le meilleur. Et le meilleur. Kasi, et yango ezali kitoko koleka. Écoutez bien frère. Yoka malamu ndeko. Un jour le petit Jésus, mukolomoko mwana muke o Yesu, est venu devant deux vieux. Ayeli bosa bampaka. Il trouve les vieux dans leur orgueil. Il s'entretenait avec eux. Écoute ce qu'il dit. Si vous écoutez ma parole, celui qui croira ma parole ne mourra jamais. Oh. Il a dit, celui qui croira dans ce que Jésus a dit ne mourra jamais. Ce qui veut dire, si j'écris à ce que Jésus a dit, les sorciers veulent me manger, je ne mourrai jamais, même si je ne fais pas la prière. Parce que Jésus a dit, si vous croyez à ma parole, vous ne mourrez jamais. Les pharisiens ont dit, qui es-tu? Nani? Tu n'as même pas encore 50 ans. Yo, naïno koki mibu, tuku mitanute. Notre ancêtre Abraham, Mpaka, tata nabiso, Jacob, sont morts. Bakufa. Mais toi, Kasiyo, qui es-tu? Yo nani? Jésus leur a dit, yes, alobaki na bango, avant qu'Abraham fût, liboso Abraham azala. Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui veut dire, il va encore ajouter encore. Je vais vous faire lire ça. Il ajoute encore une écriture. Il dit, Abraham, votre père,
Abraham tata nabino. Quand il avait vu mon jour, naele kwa mona kamu kolonanga. Il a tressailli de joie. Atoni samaga nansai. Ils ont pris des pierres. Toi, basi mabanga. You, tu n'as pas encore 50 ans. Mona mukona no kugimi buto kubira nte. Abraham mona kayo. Il a tressailli de joie. Atoni samaga nansai. Tu y as blasphémé. Otu kinza me. Tu y as un démon. Ozana mudima mabe. Jésus voulait dire. Yes, alinga kinde koloba. J'étais là me cacher. Nazalaka wana ne kona Abraham kasa kubomba ma. J'étais là caché et voilé. Nazalaka wana ne kona Abraham kasa kubomba. Oh, connaître Jésus. Boye koyeba Yesu. C'est le voile qui quitte tes yeux. Ezalinde elamba elongwa na biso nyo. Et quand vous le connaissez. Tango boye bien. Et vous croyez en lui. Bebo ndimeliye. Je t'informe. Nazo peso sango. Tu ne mourras plus. Amen. Tu ne mourras plus. Même si j'ai le sida. Mais je veux croire à ce verset qui dit. Au son de la trompette. Les morts en Christ. Bakufi na kati na Christ. Ressusciteront premièrement. Paul ne dit pas qu'il sera parmi les morts. Paul a l'obité à cause de la casa koufi. Mais Paul dit. Kasi Paul a l'obi. Et nous les vivons. Bebiso batabomoi. C'est-à-dire que. Ningi koloba ete. Si vous croyez en Jésus. Soki bon dimeli Yesu. Je vous informe. Nazopeso sa. Vous avez la victoire sur la mort. Amen. Ozane loka likona liwa. Tu es dans la voiture en train de conduire. Ozana kata mutu kozo tamuisa. Ça fait l'accident. Ozali lika wakuta lika. Moi, j'ai toujours dit. Aux gens. Si vous attendez ma mort physique, vous trompez. J'ai prêché dans une ville. Je voulais prendre l'avion pour venir à Kinshasa. Alors, un homme de Dieu m'appelle. J'ai eu un songe. L'avion que tu as pris, ça va faire l'accident, ça va exploser. Et toi, tu es mort. Personne n'a survécu. J'ai dit à cet homme, cet homme de Dieu que j'ai respecté, je prends l'avion ce soir. Et quand tu apprendras qu'il y a eu du crash, si on dit un homme est survivant, un seul là c'est moi. Est-ce que vous voyez la foi? Je lui ai dit, si vous apprenez, il y en avait deux. Dis-toi, docteur Kalo est parmi les deux. Ne confesse pas que l'accident peut avoir le pouvoir sur toi. Parce que j'ai cru à ce que Jésus Christ a dit. Et remarquez, frère, je voulais vous faire voir que Jésus que Marie a mis au monde, il a été avant qu'il soit dans le ventre de Marie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même dit que Abraham, votre père, Abraham, tata quand nabino, il avait vu mon jour, il ngay, a tressailli de joie. Oh! Zokande. Donc, si il dira cela, boye, soka lobi bongo, na il a été dans l'âge d'Abraham. Hazalakane le koya Abraham. Je vous donne ce passage. Amen. Amen. Quand on parle de Jésus, il faut tressailler de joie. Quand on parle de Jésus, on voit les gens mous. Quand on commence à jouer le tam-tam, les gens deviennent chauds. Je me pose la question, qu'est-ce qui les anime à être chauds? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous chauffer. Notre chauffage, c'est Jésus. Nous lisons cette écriture. Jean chapitre 8. Je veux vraiment que tu comprennes. Cet homme de Jésus que tu as cru,
Moto ya Jésus Christ yondimeli. Qui est-il? Azanani. Et maintenant tu comprendras pourquoi. Sikoko sosola pona nini? Il peut résoudre tout ce que tu as comme des problèmes. Akokoko kende ko silisa onyo sozala ngolokola mikakatano. Ce qui est impossible aux hommes. Oyo batu bakoyi ko sala te. Est possible. Ekoki ko salema. Seulement à Jésus. Kaka et pas à Jésus Christ. Maintenant prenons le verset. Toza sikoyo molongo. Pour confirmer ce que je vous ai dit. Parce que maintenant nous allons vite. Prenons le livre de Jean. Chapitre 8. Je vais qu'on lise à partir du verset 55. D'abord prenons le verset 53. La Bible dit. Bible lobby. 52 c'est mieux parce qu'il faut vraiment bien lire. Maintenant lui dire les Juifs. Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Abraham a sakufi. Les prophètes aussi. Basakolipe lokola. Et tu dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Akotika la komona liwate. Dire ça, Jésus est devenu un démon. Kolobayango, vous me suivez bien. On continue. Tozokoba. Verset 56. Abraham, votre père. Abraham, tata nabino. A tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Amona kayango. Et il s'est réjoui. Passe pelaka. Donc Abraham avait vu Jésus. Abraham a monaka Jésus. Est-ce que vous comprenez comment cet homme est un mystère? Bonsoir, cela l'ouvre quand il nous occupe encore la salle bombani. Oh, Zokande. Physiquement, n'importe quoi. On nous fait voir que. Bazola qui s'habille était toujours dans la Bible. Kaka na kate na Biblia. Que Jésus Christ. Était Jésus Christ et fils de David. Azali mwana na Dawidi. Jésus Christ. Jésus Christ et fils de Marie. Azali mwana ya Marie. Ah. Oh. Mais c'est grave. Ezali kama. Lui nous dit que. Yazolo manabiso était. Avant qu'Abraham fût. Libosa Abraham Azala. Il était. Asa Zalaka. Abraham. La vie. Abraham. Abonaka yena nzoto boy. Il a dansé. Père Abraham, Abinaka. Abraham a dansé. Abraham. Et toi, tu ne veux pas danser. Qui es-tu? Abraham a Abinaka. Bongo yoringo binate yonani. Abraham. Abraham. Se réjouit. A sepelaka. Toi, quand on prêche Jésus, yo tango baote ya Yesu. Tu ne tressailles pas de joie. Ozali ko simisa ma sa yete. Quand on prêche Jésus. Ah, tango tote ya Yesu. Et que toi, tu ne tressailles pas. Et te yo zali ko simisa ma na sa yete. Tu as le démon qui était chez les pharisiens. Ozana mulimo ma pe. Ce démon là, c'est l'esprit de l'antichrist. Molimo wana. Aza molimo kote me la Christ. Tout enfant de Dieu était dans le règne d'Abraham. Amen. Quand on dit Abraham a tressailli de joie, quand il a vu Jésus, ça veut dire tout enfant de Dieu, quand il voit Jésus, il entend parler de Jésus, il doit tressaillir de joie. Amen. Cela montre que tu étais dans le règne d'Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Ça révèle que tu étais dans le règne d'Abraham. Notre joie. Notre joie ne vient pas parce qu'on joue le tam-tam. Les jours où il n'y aura pas de tam-tam. Les jours où il n'y aura pas des instruments. Tellement que nous avons vu son jour. Nous serons toujours dans la joie. Parce que notre joie, c'est connaître cet homme-là de Jésus-Christ. Écoutez bien encore. Ce qui veut dire, cet homme a existé dans tous les âges. Alors, Bongo de, Paul n'a pas menti. Paul a consacré. Paul
Parce que l'apôtre Paul dit, il est le mystère caché de tous les âges. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que pour que je te parle de ce qu'on appelle la révélation, Apocalypse, il faut commencer par comprendre que là où il y a la révélation, il y a eu premièrement le cachet. Comme il y a eu le cachet, et quand on dévoile ce qui est caché, c'est ce qu'on appelle la révélation. L'Apocalypse veut dire le dévoilement de tout ce qui est caché. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle l'Apocalypse. Et j'ai expliqué la révélation de Jésus. Ça veut dire avant qu'on le connaisse. Donc il a été voilé. Il était caché. Je ne sais pas si vous sentez comme moi je sens. Un homme qui a été caché à Abraham. Caché à Élie. Caché à tous ces gens-là. Caché à Israël. Est-ce que vous pouvez comprendre? Même Israël. Israël. Ses yeux l'ont empêché de voir cet homme-là. Ma sœur bien-aimée. Mon frère. Si vraiment. Ce qui pense. Tes yeux sont ouverts. Tu les reconnais. Tu es un homme heureux. Amen. Osamu tunesengo. Parce que cette grâce que tu as reçue, Abraham, la génération d'Abraham n'a pas vu cette grâce-là. C'est pourquoi Paul. Paul. Quand Paul a compris, Paul a dit, quand j'ai compris l'excellence, la vraie connaissance, Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Amen. La nudité, non. Les sorciers, non. Les fétichiers, non. Bata soloka banganga. Science au culte, non. Machine, non. Bata soloka, la fin, non. Zala, Paul dit, Paul alobi, rien ne me séparera. Et le comment côté cet amour ici. Na bolingo. Yes. Est-ce que vous comprenez trop bien? Nazo tout na bosso sola malamu penza. Découvrir. Bosso sola. Découvrir. Bosso sola. Cet homme là. Cet homme, Motoana, le découvrir frère. Le problème ce n'est pas de danser seulement. De citer seulement son nom. Mais de les connaître. J'ai commencé par expliquer que Paul dit. C'est un mystère. Vous savez que mes frères sont ici. Quand je leur dis que cet homme a été caché même aux enfants d'Israël. Vous savez que les gens ne comprennent pas. Je vous montre combien Dieu avait voilé ces garçons. Et tu comprendras comment tu as du prix devant le Seigneur. Les enfants d'Israël, quand ils péchaient, Dieu leur a dit, pour le pardon de vos péchés, Dieu prend un animal, appelé l'agneau. L'agneau qui est utilisé, c'est vraiment l'animal. Quand il pêche, il cherche l'animal. L'agneau.
Il va avec l'agneau devant les hommes de Dieu. On égorge. Vraiment, les péchés sont couverts. Pour eux, c'était l'animal, frère. Un jour, un homme est venu appeler Jean-Baptiste. Cet homme était venu préparer l'arrivée Ayaki kobongisa boyei de ce qui était caché. Naoyo ebomba maki. L'animal qui était là. Elingi koloba nyamo azalaki wana. Les enfants d'Israël. Ete bana na Israël. Vraiment utilisé pour leur péché. Oh baba na iko salela pona bolimisa masumu na bango. C'était un homme caché. Azalaka ne moto bomba mina kata bilamba. C'était un homme caché. Dieu a pris un animal. Il a donné le nom du véritable homme. Qui doit pardonner les péchés. Alors Jean-Baptiste, parce qu'il connaissait ce jour-là, quand il baptise, il prend un garçon. Il le met dans l'eau. Quand il veut sortir, il voit sur lui des choses impossibles. Une colombe. Jean-Baptiste dit, c'est lui. Il dit que c'est lui. C'est lui. Frère, lisez bien cette écriture. Vous allez voir que Jésus vient pour se faire baptiser. Quand il entre dans l'eau, la Bible dit il vit. Bible le but est harmonie. La Bible ne dit pas qu'ils ont vie. Bible le but est bah mon acquis. Il n'y a que Jean-Baptiste seul. Et ça va quand Yohani Mobatis y a qui Dieu a ouvert les yeux. Pour voir que cet enfant qui est dans l'eau. C'est un homme caché. Azamoto bombama. Il y a c'est le cachet de Dieu. Azaline kobomba mayanza. Jean-Baptiste dit. C'est lui qui m'avait envoyé. Il m'avait dit il viendra toujours en se cachant. Mais toi Jean-Baptiste, tu le reconnaîtras. Si tu mets quelqu'un dans l'eau, tu vois colombe descendre. Sache que c'est lui caché. Et toi disparais directement. Disparaît de la scène. C'est pourquoi j'ai toujours dit véritable homme de Dieu, véritable ministre de Dieu, s'il a Jésus, il doit disparaître, laisser la gloire et les honneurs partir à Jésus Christ. Amen. Yes. Écoutez frère, Jean-Baptiste dit Jean-Baptiste crie. La Bible dit il vit. Il y a que lui Jean-Baptiste. Il y avait des gens qui avaient aussi les yeux, mais qui n'ont pas vu. Amen. Jean-Baptiste seul a vu. Et il a dit aux autres. Là encore il était caché. Jean-Baptiste un jour encore il y voit encore. Les enfants d'Israël attendaient un animal pour le pardon de leur péché. Maintenant Jean-Baptiste était là. Il voit un homme qui vient. Mais cet homme là, avec le véritable nom, Azalakana combo ya solo. Écrit. Oye komami. L'agneau. Mwanampate. L'agneau. Mwanampate. L'agneau. Mwanampate. L'agneau. Mwanampate. Écoutez bien. Yota malam. Quand Jean-Baptiste le voit, tango yoni mobati amonie. Il est dit. Alobina bang. Oh, dès aujourd'hui. Kobanda lelo. Arrêtez avec l'ombre. Amen. Arrêtez avec l'ombre. L'animal est devenu un homme. Et cet homme-là, le voici. Jésus-Christ.
C'est lui le vrai agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'est caché en Israël en animal. Mais pour toi et pour nous, il s'est dévoilé. Il a dit, vous, pour eux, l'animal, mais pour vous, je ne me cache plus. Amen. Je ne me cache plus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus, après avoir se dévoilé dans le chapitre 19, il est là. Il regarde aux cieux. Il dit, Père, je te loue parce que poète, tu as caché ces choses au sage du monde et tu les as révélées maintenant aux petits enfants. Ça veut dire ceci: Israël, Israël, les pharisiens, bah pharisaux, ils ont vu un Dieu caché. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas les reconnaître. Par là, je voulais vous faire voir que Dieu, sa gloire, c'est dans le caché. Amen. C'est dans le caché. Je vais vous dire un truc. Même lors de sa naissance. Oh, c'est merveilleux ça. Il est né. Quand il est né à Bethléem, l'enfant était parmi tous les enfants. Il a été placé où? Chez les animaux. Pour confirmer que il quitte maintenant la face de l'animal pour devenir un homme. Et pendant qu'il était là, tout le monde n'a pas su. Suivez-moi très bien. Je suis déjà dans l'Apocalypse 1. Suivez très bien. Il était là. Tout le monde n'a pas vu. Mais il y avait les mages qui faisaient leurs histoires plutôt. Du coup, ils ont vu une étoile. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu une étoile. En regardant l'étoile, ils ont dit, l'étoile. Soyez attentifs. Parce que je vais faire descendre quelque chose de trop difficile, mais facile pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Et ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Je suis venu prêcher ceux qui aiment la parole. Ceux qui n'aiment pas la parole ignorez ma présence ici. Écoutez, l'étoile. Mais c'est terrible. Et ça somme. Ils ont vu l'étoile. Mais écoutez bien. L'étoile qu'ils ont vue. Cette étoile. Annonçait la chose. Et ils se sont dit. Maintenant nous allons suivre l'étoile. Quelle est cette étoile qui avait les yeux pour voir le chemin? Quelle est cette étoile qui avait les pieds? Et quelle est cette étoile qui pouvait attendre les gens? Parce qu'on nous dit cette étoile-là qu'ils ont vu. Quand ils ont vu l'étoile, les mages ont suivi l'étoile. Ils ont dit, si nous suivons cette étoile, nous arriverons là où se trouve l'homme que nous avons besoin. Et puis l'adoration, la vraie adoration commence. Ils ont suivi l'étoile. Frère, tu veux arriver là où l'enfant est caché?
Jésus est né. Yesu abotamaki. Parmi les enfants. Nakati na bana. Ils l'ont mis dans la crèche. Il y a une particularité que je vais vous montrer. La Bible dit qu'il a laissé l'enfant qu'on avait emmailloté. Caché. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a le pourquoi de ça. L'enfant est né. On le cache. Parce que la Bible dit, on a dit hommage. Quand vous irez, il y aura plusieurs enfants. Mais l'enfant qui sera emmailloté, c'est le signe révélant que c'était lui là le sauveur. Amen. Ce qui veut dire, il y avait d'autres enfants, mais qui n'étaient pas à Mayotte. Mais l'autre là était voilé. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours pitié de mes frères catholiques, supportez-moi. Supportez-moi un peu. Quand vous fêtez le Noël, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir l'œil pour comprendre pourquoi tous les enfants n'était pas mailloté. Mais celui-là était voilé. Le voile-là était le signe qui les différencie avec d'autres enfants. Amen. Et ceux qui ont vu l'étoile, il y a que l'étoile qui peut vous amener là où il se trouve. Amen. Encore, Dieu caché dans la crèche. Amen. Zamba bomba mina kate elelo ya bibwele. Ce qui m'a étonné. Même personne là. Kaka batumoko moko wana. Lui qui était Dieu. Il ne pouvait pas manquer là où il fallait naître. Mais pourquoi? Il a manqué de la place. Il est né là-bas pour confirmer que je suis l'animal. Mais le véritable animal. Donc aujourd'hui, si un pasteur m'amène un animal, il dit, tu vois, il est écrit, quand on amenait l'agneau, on égorgeait l'agneau pour vos péchés, je dirais, monsieur le pasteur, l'agneau est déjà devenu un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez très bien là? Par là, je suis en train de vous montrer que Jésus-Christ n'a pas été seulement dans la nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament. Azala kakakate na bokani ya sika tope na mokana moei atiki ya sika. C'est pourquoi l'Apocalypse dit yangoti na mokana moka ma emoni selobi. Jésus est Alpha. Yesu azali ya ebandeli. Est-ce que vous comprenez? Yesuka. Bozo sosola. Il est l'Alpha. Azali ebandeli. Il est l'Alpha. Azali ebandeli. Vous savez, quand on crie Omega, il faut que les gens de ce quartier, les sorciers, les féticheurs, Maïkari, Sciences Occultes, quand ils nous entendent crier Omega, dans leur maison, ils tombent. Leur réunion se disperse. Alors il faut crier qu'ils entendent ça. Il est écrit que Jésus-Christ est l'Alpha. Et comment mettez Jésus dans les bandelis? Ça veut dire ceci. Il est le commencement. Azali est bandeli. Et il est aussi
la fin. Azali pe suka. Ce qui veut dire Wengi koloba. Avant qu'il entre dans le ventre de Marie, Liboswa kota na libumu ya Maria, il était déjà. Amen. Asazalaka. Est-ce que vous me suivez très bien? Bonsoir, ce sera il là. Était déjà. Asazalaka kala. Vraiment, quand je parle de ça, je sens si comme que je suis enlevé maintenant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce qui veut dire, il était caché. C'est pourquoi on dit l'Apocalypse de Jésus-Christ. Ya Jésus-Christ. La révélation de Jésus. Pour y arriver, il faut que l'étoile vous amène. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour aller découvrir que celui qui est emmailloté là, c'est celui-là qui pardonne tes péchés, il faut que l'étoile t'amène là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Nazomi Sosolisa. Lui il est à Mayoté. Yé, basipie bilamba. C'est un enfant parmi les enfants. Azali. Moi na nakata bana. Mais le signe pour le reconnaître. Kasi lembo poye ba teza yé. Il faut que l'étoile t'explique. Amen. Et c'est le bon sang. Quand tu entreras, tu verras tous les enfants. Mais lui c'est distinct parce que la gloire de Dieu, c'est quand Dieu cache les choses. Amen. Kasi Azali Koumi. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, étoile, c'est quoi? C'est quoi? Mon soto est ami. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, vous verrez Jean à vie. Que l'homme là avait cette étoile entre ses mains. Cette étoile. Vous voyez ça? Il avait cette étoile. Jean a voulu savoir le mystère de l'étoile. Ce qui veut dire, quelle est cette étoile qui conduit les gens? Quand les gens déroutent, l'étoile reste. Quand les gens reviennent, l'étoile continue le chemin avec eux. Les étoiles que nous voyons avec vous ici, tous les jours ici ne nous communiquent rien. Mais l'étoile qu'ils ont vue ce jour-là, l'étoile a parlé. Donc l'étoile avait une bouche sans vous rendre compte. Amen. C'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Dieu utilise les codes. Utilise les codes. Il faut décoder cela. L'étoile. Monzoto. C'est quoi? La Bible dit que l'étoile, ce sont les sept anges, ce sont les étoiles. La Bible dit que l'ange, Dieu appelle ange l'étoile. Zamba zobenga angelu monzoto. Est-ce que vous comprenez ça? Bozo sosolo engo. Donc je donne ce verset. Nazopesa mulongo wana. Pour aller vers un service que je vais vous demander. Bona tokendo sala musala moko na kosenga bino yango. Parce que nous devons révéler la puissance de Dieu. Poete sengeli tofongola polele nguya na nzambe. Amen. Amen. Je vous donne le passage, le verset. Nazope sabino molongo na Biblia. Comme ça, nous allons prier. Ndeto kusukisana peto bundeli. Lisez Apocalypse chapitre 1. Totanga mukanene moniseli mukapo aliboso. Vous êtes
Vous êtes. Bokome sika yango. Écoutez bien. Apocalypse toujours chapitre 1. Le verset 19 jusqu'au verset 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Suivez bien le mystère de cette étoile. Même les étoiles là, l'étoile c'est un mystère. Toujours caché. Là-dedans, il y a des messages. La Bible dit quoi? De cette étoile, c'est quoi? Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Les sept étoiles sont les anges. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant nous rentrons dans le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit Jean. Yohane. Suivez bien. Landa malam. Jean. Yohane. A reçu un ange. Azwa ki angelu moko ekotalae. Autrement. Ndebongo lingi kolobandenge mususu. Nous pouvons dire Jean a reçu une étoile. Yohane azwa ki lolebele mususu monzoto. Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'ange, quand on dit un ange, c'est-à-dire une étoile. Quand Jean, dans la vision, il voit une étoile. Ou quand les mages ont vu une étoile, ils ont vu un ange. Amen. Ah. Et cet ange, mais Angelouana, doit amener et singela memayo où se trouve l'homme qui est caché. Wa pepai motoa bombami asali. Jusqu'à présent, kino sikoyo, je prêche toujours un Jésus caché. Nazote akaka Yesu ya kobombama. Pour terminer, pona kosilisa avec ce passage, na molongo oyo, vous allez comprendre que l'ange, Angelou, c'est l'étoile. Asa monzoto. Mais l'étoile, c'est quoi? Kasi monzoto eza nini? L'ange, c'est l'étoile. Angelou, eza monzoto. L'étoile n'a jamais été terrestre. Ah. Naino monzoto etikala kozala ya mabelete. Qui peut ramasser l'étoile sur la route ici? Nazotuna. Nani na balabala akolo kota monzoto na se. C'est pourquoi. Yangotina. L'étoile était en haut. Amen. Monzoto ezali kolo. Quand les mages sont entrés à Jérusalem. Tango bato na mayele bakoti na Jérusalem. Kobimaka. Ils ont regardé, il y a l'étoile en haut. Batali monzoto ezali kolo. L'étoile n'est pas terrestre. Monzoto ezala kaya mabelete. Ce qui veut dire cet ange ici. Boyeriki kolo ba angelu oyo. Un ange terrestre. Amen. Né d'une femme ou d'un homme. L'étoile n'a pas connu la naissance entre maman et papa. Comment Dieu a créé l'étoile? Seul il est là. De la même manière qu'il a créé l'étoile. De la même manière qu'il a créé Adam. C'est de la même manière que Jésus-Christ est venu dans le monde. Amen. Mais pas la création des hommes. L'étoile veut dire quoi? C'est ici que nous allons clôturer. L'étoile veut dire quoi? La Bible dit Dieu a créé des luminaires. Pour éclairer la terre. Alors pour éclairer la terre, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles.
Leur objet, leur mission, c'est quoi? Mosala na bango ezala kini? Éclairer toute la terre. Kongengisa malongo mobimba. Étoile. Monsoto. L'ange. Zokande ansilu. Lumière. Ezali nde pole. C'est pourquoi. Yangotina. Et Paul prêchait comme nous. Paul abane kote aloko na biso. Quand il donne la définition de l'ange. Paul dit, Paul a lobby, l'ange angelou, c'est un esprit à Samolimo au service de l'Éternel. Ya Mosala Nzambe. L'esprit n'a jamais été né d'une femme ou d'un homme. Amen. Molimo na botama na mwasi te pe na mobalité. Amen. Mettons-nous debout. Totelema. Mettons-nous debout. Totelema. Je voulais vous faire voir ceci. Na linga kinde kolaksa bino boye. Pour aujourd'hui, l'étoile, Monsoto, c'est l'ange. Les andes angelou. Cette étoile, Monsoto wana, doit te guider. Ouais, esengale kambayo. Une fois que cette étoile, esengale te Monsoto wana, t'amène où se trouve le mystère de l'enfant. Amen. Amen. Mais pas il y bon bani à moi na esali. Est-ce que vous me suivez? Bonsoir nanga madame. Qui veut voir le mystère de l'enfant? Nazoto na. Oya lingi kotala komona libomba na mwana. C'est celui qui suit l'étoile. Ne moto oyo azola na monzo. C'est lui qui connaît le mystère de l'étoile. Ne oya yebi mobomba na monzoto. Si vous suivez l'étoile, sokola ni monzoto, vous n'introduisez pas vos pensées. Bokokotsa makanisi na yote. Vous suivez seulement l'étoile. Bokolandaka monzoto. Vous irez jusque là où il y a le mystère de l'enfant. Ah, wana bokokende kino epa yapi libomba ni amwana. Et quand vous serez l'enfant, tango bokomona mwana, c'est là où que vous allez commencer la vraie adoration. Amen. Ne wana bokobanda kogumba mela ya solo. Ils ont demandé. Batunaki. Ils ont dit. Balobi. Oh. Oh. Non. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Vous adorez comment si vous n'avez pas encore vu l'étoile? Il y a une fausse adoration. Non, écoutez la fausse adoration. Là où vous partez, hein? Si vous les trouvez, hein, revenez pour me dire, nous, me dire aussi que j'aille aussi là. La changez le chemin. Bon, voilà, c'est là. Changez le chemin. Bon, voilà, c'est là. Ne va pas vers celui qui, va, qui cherche à tuer l'enfant. Pour aujourd'hui, bon, comme j'avais dit, Ndenge na lobaki. Nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Si vous avez compris ce que c'est le mystère de l'ange, demain, lobby, je ne vais plus souffrir pour, donc je vais aller vite. Parce que ce n'est pas facile de vous introduire dans ces champs-là. Parce que l'Apocalypse, c'est un champ. C'est pourquoi vous voyez que nous avons dit, nous prêchons mot à mot, phrase par phrase. Je prends ce mot, j'explique. L'ange, j'explique. Ça peut faire 100 ans. Mais nous pouvons le faire dans quelques jours. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Yes, Amen. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun un homme. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne.
Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Gallo? Allez sur christequality.com/albertgallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christequality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ, notre commun Seigneur et Dieu, vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.